tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici, je vais scraper avec vous une page 30-30 avec les poudres Magicals. Alors, j'ai utilisé la Martina's Marigold, donc je vous dirai un petit peu plus tard. Les nouveaux produits de Schoenflower ainsi qu'un pochoir et une planche de tampon d'Alexandra Renke. Alors, pour faire cette page, j'ai utilisé la planche, donc pour faire le titre notamment, j'ai utilisé la planche Lettering You d'Alexandra Renke. Il y a beaucoup de scrappers qui l'utilisaient dans leur réalisation et j'ai trouvé vraiment magnifique. Et comme je vous l'avais dit, je pense, il y a quelques vidéos de ça, je trouvais qu'il me manquait en fait des planches de tampon avec des grands titres en noir. En fait, je trouve que ça donne beaucoup de contraste et beaucoup de... Ça met vraiment valeur, je trouve, les photos. Et donc du coup quand j'ai trouvé cette planche de clear, je me suis dit qu'il fallait que je saute pas et que je l'achète. Et franchement, je suis pas du tout déçue, c'est vraiment des produits de très grande qualité. Et voilà, franchement, c'est une super planche. Et alors, pourquoi j'ai commencé par le titre? Tout simplement parce que je voulais mettre du glossy accent en fait sur mon titre pour qu'il ressort un peu. Bien que là il ressort très très bien, il n'y a aucun souci, mais je veux dire, je voulais rajouter un petit peu de pas de texture, mais je veux dire de brillance en fait au titre, et rajouter voilà cette petite touche avec le glossy accent. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé par le titre, pour pouvoir laisser le titre sécher le temps que je scrapais ma page. Et donc en 2 heures, le titre était totalement sec et j'ai pu le détourer pour pouvoir l'ajuster au niveau de ma mise en page. Alors, pour cette page, pour faire le fond de ma page, j'ai utilisé un masque et un pochoir d'Alexandra Renke également. Donc c'est ce pochoir et ce masque de Libellule. Je suis totalement fan, et quand j'ai vu ce motif, tout de suite j'ai eu cette idée de mise en page en tête. Donc en fait, vous avez un masque de Libellule et 2 pochoirs, un avec le négatif et un avec le positif de la Libellule. Et on peut les utiliser de manière soit totalement indépendant, soit ensemble en fait. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé le négatif de la Libellule et le masque Libellule pour pouvoir réaliser le fond de ma page. Et j'ai utilisé les Magicals pour pouvoir mettre en couleur ma Libellule. Alors, j'ai utilisé le set de Magical Alexandra's Artist, qui est en lien du coup avec la marque Alexandra Renke. Et j'ai utilisé la poudre Martina's Marigold. Donc dans cette poudre de Magical, vous avez des nuances de bleu très clair, de rose poudré, de jaune, de gold, enfin d'or en fait, à l'intérieur. Et je trouvais que ce panel de couleurs était très sympa, et du coup ça m'était, enfin, on va dire qu'avec les infusions, on va dire que c'est un côté un peu plus artiste et grunge, tandis que les Magicals, je trouve que ça, c'est plus dans la douceur, etc. Et là, j'avais envie de douceur pour cette page. Donc du coup, je trouvais que ce combo couleur-là allait très très bien. Alors j'ai pchité une première fois de l'eau, j'ai remis de la Magical et ensuite j'ai repchité pour donner un petit peu plus d'intensité, parce que j'avais peur que ma Libellule ne se voit pas en fait, tout simplement. Donc du coup j'ai mis par 2 fois de la poudre Magical pour pouvoir faire mon fond de page. Et donc voilà ma Libellule qui a été réalisée avec le pochoir et le masque. Donc voilà, donc une fois que tout ça s'était fait, j'ai laissé un petit peu sécher. Et aussi, ouais, chose que je vous ai pas dit, j'ai avec un chiffon, je suis venue retirer l'excédent d'eau pour éviter que ça me fasse des flaques au niveau de mon pochoir et au niveau de mon masque, et que ça fasse pas un gros pâté, on va dire, sur... Enfin, j'avais peur que ça fasse un pâté, donc du coup j'ai retiré un peu l'excédent d'eau au niveau de ma Libellule, et puis voilà. Donc je range tout ça, et une fois que tout ça s'était rangé et sec, je pense pas avoir je pense pas avoir séché ma Libellule au heat gun. Je pense que je l'ai fait à l'air libre, je pense. Et j'ai voulu mettre, enfin continuer mon travail de fond en utilisant la palette d'aquarelle Decadent Pies, c'est ça, de chez Prima. Et en fait, j'ai voulu récupérer, enfin pas récupérer, mais j'ai voulu retrouver la même couleur de beige en fait qu'il y a au niveau de ma Libellule. Et pour faire ce beige là, j'ai utilisé un mélange de la couleur White Mocha, donc la couleur 25 de la planche, de la palette d'aquarelle Decadent Pies, avec la couleur Banana Cream, donc la couleur 29.
Donc j'ai fait un mélange à peu près équivalent au niveau de ces deux couleurs. Et j'ai fait une tache en haut à gauche en haut à droite et en bas à gauche de ma libellule pour pouvoir encadrer en fait ma photo. Et donc du coup que mon travail de fond soit un peu plus complet que si j'avais uniquement ma libellule. Ensuite, une fois que mon travail de fond a été réalisé, donc là c'est en train de sécher tranquillement, et là je suis en train de regarder du coup les couleurs que je voudrais utiliser pour cette page. Alors j'ai gardé la couleur, enfin le mélange de couleurs White Mocha et Banana Cream pour faire un beige vraiment très doux. J'ai voulu également retrouver le bleu très doux qui existe au niveau des poudres Magical que j'ai utilisé. Donc pour faire ce bleu très doux, j'ai utilisé le White Mocha, la couleur 25, et la couleur Blackberry, donc la couleur 35 toujours de Decadent Pies. Et pour avoir aussi cette couleur un peu de terracotta. Enfin moi j'appelle la couleur terracotta, mais je pense pas que ce soit son nom-là. C'est un peu un. C'est pas un rouge brique, c'est pas non plus un orange, enfin, c'est un peu entre les deux. Et au début, je pensais utiliser la palette enfin la palette Vintage Pastel, parce qu'il y a une couleur de terracotta dedans, mais elle est beaucoup trop sombre et je la voulais plus lumineuse. Donc du coup, j'ai gardé ma palette Decadent Pies pour pouvoir faire cette couleur, cette fameuse couleur. Et j'ai utilisé, que je me trompe pas, j'ai utilisé la couleur 32, donc c'est la couleur Apple. Et associé avec la couleur 29 qui est Banana Cream de la palette d'aquarelle Decadent Pies. Voilà. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Donc je pense que ça c'est donc ces trois couleurs-là, je les ai utilisées majoritairement au niveau de mes feuillages et de mes embellissements. Et pour pouvoir faire mes embellissements, j'ai utilisé un papier 100% coton aquarelle et c'est le Fabriano Extra White. Et donc, là j'arrive à la fin de mon bloc de papier. C'est un papier spécial aquarelle où les fusions se font toutes seules. Au début, comme au début, enfin depuis quasiment le début où je fais du scrap, je n'utilise que du papier, on va dire que du papier multitechnique. J'ai des techniques du coup pour faire des fusions qui soient à peu près correctes avec du papier multitechnique. Et là du coup, utiliser un papier vraiment aquarelle où les fusions se font toutes seules. J'ai eu un petit peu du mal au début à retrouver mes marques, mais en fait ça se fait très très vite, très très rapidement. Et donc voilà. Alors je vais vous laisser comment je vais vous laisser en musique là le temps que je fais mes colorisations, puisque bah, les mes comment au niveau de mes techniques de colorisation c'est toujours les mêmes et je vous montre ça au fur et à mesure. Donc en fait j'ai à chaque fois que je fais une colorisation, je commence par une couleur qui est très très diluée pour faire la totalité de la feuille, et puis au fur et à mesure je prends ma couleur de base qui est de moins en moins diluée et même du coup de plus en plus pure pour pouvoir la mettre au niveau de la base de mes feuilles ou de mes fleurs pour qu'il y ait un dégradé de couleur qui se fasse correctement. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là comme j'ai utilisé un papier 100% coton, les fusions se font mais d'une traite, enfin c'est vraiment très agréable et on n'a pas à revenir à chaque fois avec le pinceau pour estomper les auréoles que l'on pourrait avoir. Donc voilà, je vais vous laisser en musique là le temps des décolorisations, puis je vous reprends juste après pour pouvoir continuer du coup la suite de mes explications. Voilà, bon visionnage au niveau des colorisations du coup.
du coup, me revoilà après ce petit intermède musical pour pouvoir vous expliquer du coup la suite de ma mise en page. Alors, une fois que tout. Alors, j'ai tout détouré, mais ça, je voulais pas montrer parce que c'est très très long. J'ai mis au moins une petite demi-heure ou un petit trois quarts d'heure pour tout détourer. Donc, ça, à chaque fois, les détourages, je vous les montre pas parce que c'est assez. C'est assez long. Donc du coup, une fois que tout ça a été détouré, et encore non, j'ai même pas encore détouré, ce sera après. J'ai mis la grille en fait qui existe dans la planche de tampon. Enfin, c'est pas une grille, c'est un graphique qui existe dans la planche de tampon pêle-mêle de chez Schoenflower. Donc c'est une des nouveautés de ce mois-ci. Et donc j'ai utilisé avec de la verre sa fine grise pour éviter que mon fond, enfin du coup que les, comment que mes, bah, que mes petits carrés en fait, que mon graphique soit trop dur en fait par rapport au fond que j'ai pu réaliser. Et j'ai mis quelques gouttes de Posca, enfin pas des gouttes de Posca, mais je veux dire j'ai mis quelques traits de Posca blanc sur mes tamponnages pour qu'il y ait un petit peu plus de lumière et que bah voilà ils ressortent un petit peu plus. Et une fois que tout ça a été détouré, du coup, j'ai commencé ma mise en page. Alors en fait, à chaque fois, dans mes mises en page, c'est ce que j'ai remarqué. Enfin, pas dans mes mises en page, mais dans mon processus créatif. Je mets énormément de temps à tout concevoir, entre guillemets. Et ensuite, par contre, la mise en page, après, se fait en un quart d'heure, limite, c'est fait. C'est-à-dire que je mets beaucoup de temps à trouver ma décoration du fond de ma page. À trouver mes tamponnages, à les coloriser, les tamponner, les détourer, ça prend facilement 1h30. Puis après, une fois que tout ça c'est fait, après ça va très vite au niveau de la mise en page. Et voilà, donc moi je trouve ça rigolo de comment que je sois aussi segmenté en fait. Alors je pense que on est tout peut-être un petit peu pareil, je pense, je sais pas, mais voilà, je trouve ça rigolo. Donc voilà, donc au niveau des tampons que j'ai utilisés, ça je vous l'ai peut-être pas dit, mais ils sont issus de la planche de tampons pêle-mêle de Schoenflower, qui est une nouveauté de ce mois-ci. Donc de toute façon, je vous trouverai comme à chaque fois tout le matériel en description de la vidéo, comme ça si vous voulez les acheter, comme ça vous aurez pas les références, mais vous saurez d'où proviennent toutes ces merveilles, on va dire. Comme pour ma page précédente, j'ai voulu également utiliser des pinceaux de la planche de tampon toujours de Schoenflower. Alors c'est le nom de cette planche, c'est mon nuancier. Vous avez un pinceau brosse pardon, et aussi un tube de peinture qui est proposé. Et dans la planche de tampon pêle-mêle, vous avez un pinceau aquarelle qui est également proposé. Donc du coup j'ai utilisé ces trois ustensiles artistiques, on va dire, pour pouvoir réaliser la page. Et je trouvais qu'avec le côté naturel, je trouvais que ça allait plutôt bien avec. Donc du coup voilà. J'ai également utilisé des tamponnages embossés à blanc sur du calque pour apporter de la douceur, bien que mon fond soit déjà très doux. Je trouvais que ça apportait encore plus de douceur du coup dans mon fond. Et voilà. En arrière-plan de ma photo, j'ai utilisé également un papier de soie que j'ai chiffonné pour pouvoir mettre un petit peu de texture et un petit peu de relief au niveau de ma mise en page. Je pense que c'est tout au niveau des papiers. Donc là, j'ai utilisé aucun papier imprimé, je me rends compte. Et alors là, voilà le mot, enfin le titre Just Me, pardon, que j'ai utilisé. Donc là, il est totalement sec. Hein. Je l'avais, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai mis du Glossy Accent dessus pour pouvoir le mettre un peu en relief et mettre de la couleur, enfin pas de la couleur, mais de la brillance dessus. Je trouvais ça très intéressant. Une fois que tout était sec, pardon, j'ai pu tout détourer et mettre ça du coup au niveau de ma photo. Le petit onglet que vous voyez au-dessus de ma photo avec du papier métallique couleur or, c'est un onglet de la Fée du Scrap. Donc c'est un dice que j'ai utilisé. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je réfléchis. Ah oui, et j'ai voulu mettre ce magnifique papillon. Alors ce petit papillon, il n'est pas issu de la grande planche de tampon pêle-mêle de Schoenflower. C'est un tout petit tampon de Schoenflower où c'est un papillon. Alors le nom de cette planche s'appelle Butterfly. Et je l'ai utilisé du coup pour cette page. Au début j'ai eu du mal à lui trouver une petite place. Mais une fois que j'ai mis mon sous-titre et que j'ai encadré ma photo après, je me suis dit mais il faut vraiment que je mette ce papillon.
Parce que voilà, je voulais vraiment, vraiment le mettre. Au niveau du sous-titre, j'ai mis le sous-titre en toute saison de la planche de tampon pêle-mêle de mes petits ciseaux, pardon, de Chouane Flower. Une fois que j'ai fait ça, j'ai encadré ma photo avec mon crayon XS de chez Faber-Castell. Voilà, bon là on retrouve toujours mes habitudes, hein. C'est vrai que on va dire au début, à la fin de ma page, on voit un petit peu mes habitudes au fur et à mesure. J'ai mis de l'encre, des gouttelettes d'encre de Chine sur le fond de ma page pour pouvoir apporter un peu de contraste. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai trouvé une place à mon papillon. Voilà. Donc j'ai hésité un peu au niveau de la place que je voulais lui attribuer. Puis je me disais que au niveau de la libellule, donc en haut à gauche, ça partait un petit peu sur la gauche. Du coup, je me suis dit bon, rééquilibrer avec le papillon en bas vers la droite, ça pourrait aller. Ça pouvait être sympa. Et une fois que ça s'est fait, j'ai mis quelques sequins. Et là, du coup, je trouvais que en apportant les sequins, ça apportait une note finale du coup à ma page. Voilà. Donc voilà ma petite page que j'ai fait hier soir. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous souhaitez suivre un petit peu tous mes posts, parce que je mets pas forcément tout le temps des vidéos sur les pages que je peux faire. Souvent je peux mettre des pages, je peux mettre des posts en ne les ayant pas du tout filmés. Et vous pouvez également me suivre du coup sur YouTube, ça me ferait plaisir que vous abonniez, que vous activiez la petite cloche si vous voulez être au courant des petites vidéos qui sortiront. Alors je suis pas forcément très très régulière, on va dire. Souvent j'en poste une par semaine, mais c'est vrai qu'au niveau du jour, enfin c'est très rare que je sois régulière au niveau du jour où je vais les mettre. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite un très bon long week-end pour ceux qui ont la chance de faire le pont de l'Ascension, et puis voilà. Allez, je vous embrasse et puis à bientôt. Au revoir.